Théma, c'est notre emmerdeur. Ouais, ma gueule, OCB, ma gueule. Original Cash Burn, coco. Moi, celui que tu prenais pour une blague, hein. Capri, Radian Ismail, le même qui fit 5 piges plein à Berlin. Tu peux pas, mon pote, et bien Chopin. Ce que j'ai fait te semble incroyable. C'est moi, original, inoubliable. D'où j'arrive et c'est inévitable, hein, ma gueule. The one give a fuck, moi, de l'endemain. Le coco, on charme les sabots, ça coupe par pain de crosse et de crasse. Un défi de faire des DNA au gun, les gars, mon Lucky Luke. Voilà, donc aujourd'hui, premier défi à l'Atlas, Atlas Gun, bien sûr, le pistolet. Un match à mort par équipe, les gars, sur la map Comeback. Vous allez voir, je meurs, je fais un kill, je meurs juste après. Et après, je vais enchaîner une fucking série, les gars, de 48 gun streak, quoi. Gun streak, tuc, tuc. Voilà, c'est du full rush. Match à mort par équipe, bien sûr, sur mon compte solo. On va pas en rajouter, on va pas expliquer quel compte et pas quel compte. C'est une super performance quand même, parce que même en jouant contre des gars assez faciles, c'est quand même, les pistolets dans Advanced Warfare sont quand même, comment dire, ils manquent de puissance et c'est le mode de visée surtout est assez bizarre. Mais vous allez voir, super gameplay les gars, super ça rush, comme vous aimez, franchement vous allez kiffer. Et d'ailleurs, si vous voulez voir d'autres DNA avec d'autres pistolets, n'hésitez pas à mettre un max de likes. Avec pourquoi pas avec le MP400, comment il s'appelle déjà, le 40, bon, le petit pistolet là, au PDW aussi, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à mettre un max de likes pour Tonton, les gars, vous canardez cette vidéo de likes et vous dites pourquoi pas dans les commentaires, Tonton veut voir à la PDW ou au MP443, je sais plus comment il s'appelle, 443 je crois, je sais plus, bon, bref, tellement je regarde jamais les pistolets. Bref, voilà, sur ce, je suis super content, il y a pas mal de bonnes nouvelles aujourd'hui. Et pour moi, une semaine, enfin une 15 jours de rush qui arrive, vraiment impressionnant pour moi. Là, ça va être un grand défi pour Tonton. Alors, on va commencer déjà par au niveau de ma chaîne. On va parler un petit peu de ma chaîne aujourd'hui, un petit peu des... Alors aujourd'hui, ma chaîne a atteint les 2 millions de vues. C'est quand même extraordinaire parce que quand on pense qu'il n'y a même pas 6 mois, c'était les 1 million de vues. Donc en 6 mois, elle a fait presque... plus d'un million de vues, c'est énorme, je sais pas ce qui se passe les gars, c'est grâce à vous, vous êtes là, c'est assez énorme. Et la deuxième bonne nouvelle aussi, c'est que Advanced Punchline, les gars, là, l'heure où je vous parle, est à 299 600 quelques vues, donc elle va péter les 300 000, je compte sur vous pour y remettre une petite couche derrière les gars. 300 000 vidéos sur Advanced Punchline, franchement c'est énorme. Là encore merci à Kebou aussi, vraiment il a fait un travail extraordinaire sur cette vidéo, enfin sur ce rap. Vraiment, cette vidéo, elle est énorme. Moi, je vous avoue, mon petit truc, c'est que voilà, quand je commence, avant de jouer à Call of, ou même bien de faire des fois un simple commentary, ben, je me la mets un petit peu en fond, tu vois. Et pff, de suite, voilà, t'as l'envie de fraguer, l'envie de gamer, même moi, l'envie de faire un commentary, tu vois. C'est vraiment extraordinaire, cette chanson, ce qu'elle peut faire comme sensation. Sinon, je voulais vous parler, oui, voilà, Toto, il va enchaîner 15 jours de rush non-stop. Là, je vous parle, on est dimanche. Il est 4h de l'après-midi quand je vous fais la vidéo et le commentary. J'ai bien joué pendant toute la semaine, donc j'ai pas mal de petits gameplay en stock, vous inquiétez pas, là, qui va arriver prochainement. Surtout des défis au gun. Et voilà, je voulais vous expliquer en fait comment ça va se passer. C'est assez compliqué, ce soir je vais chercher ma fille. Et je l'ai pendant 15 jours et au magasin où je travaille, la personne avec qui je travaille est en vacances. Donc en fait, je vais faire ouverture, fermeture, un fucking réveil à 5h45 du matin jusqu'à, je vais finir le soir. Le temps de rentrer, j'ai plus d'une heure de route, donc en gros à peu près vers 7h. Je vais avoir une semaine de malade avec ma fille, heureusement je suis chez ma maman pour ces 15 jours. Donc ça va, tu vois, déjà j'aurais pas à faire à manger, voilà, mais voilà, ça va être dur quand même, le travail, l'occuper la petite, faire des vidéos. En théorie, le week-end prochain, je rentre chez moi avec ma fille, donc pourquoi pas vous faire une vidéo avec ma fille. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont beaucoup demandé de voir ma fille et c'est vrai que la dernière vidéo que j'ai fait avec ma fille, je crois qu'elle avait même pas un an, donc maintenant elle a 2 ans et demi, elle a vraiment 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 changé, donc je verrai avec elle si elle se sent de venir à côté de moi et pourquoi pas de rester même si 30 secondes minutes dans un gameplay. Je pense, voilà,
Dites-moi si ça vous intéresserait aussi de voir ma fille dans un commentaire, un face commentary, c'est que ça fait longtemps et je pense que ça en fera plaisir à certains d'entre vous qui l'ont connue très petite parce que j'avais fait un face commentary quand elle avait 6 mois, après j'en ai fait un quand elle avait 1 an. Et là, vous avez carrément passé 1 an et demi, quoi. Donc là, vous allez voir un changement énorme parce que carrément, c'est une petite fille maintenant, c'est même plus un bébé, c'est une petite fille, elle parle. S'exprime, donc voilà. Et j'ai d'ailleurs le beau souvenir qu'à chaque fois que je regardais un peu ma chaîne et qu'il y avait l'intro, elle disait papa vidéo, papa, 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 papa en vidéo. Là maintenant, elle va vous dire ah, c'est mon papa, enfin voilà, elle va faire des phrases complètes. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, allez, je vais spoiler un petit peu. J'ai fait une DNA au pistolet à la MP. Comment ça s'appelle ce pistolet? 443 ou je sais plus combien. Là. Et à la PDW. Donc en fait voilà, vous me dites dans les commentaires tout simplement, vous me dites par exemple, bah, tonton on aimerait bien voir le week-end prochain avec ta fille la DNA au PDW Gun ou à la MP, putain comment ça s'appelle ce putain de pistolet, j'en ai jamais. Bon, bref, vous avez compris, je vais essayer de faire d'autres défis, surtout il y en a un qui me trotte un petit peu dans la tête, c'est de faire une DNA au Lynx, qui est un sniper assez hardcore, mais je prévois ça pourquoi pas dans des... Essayer de faire quelques tentatives et pourquoi pas la réaliser si j'y arrive, ben bien sûr, je la mettrai sur ma chaîne. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez de ce gameplay, mais franchement, il est énorme. Et bon, c'est vrai que il n'y avait pas un super niveau parce que forcément, un match à mort par équipe, il n'y a pas de super niveau en face. Mais vraiment, je sais pas si vous avez kiffé un petit peu dans les sauts, les déplacements, il y a vraiment du skill, comme on dit, du skill à la tonton. Franchement, super gameplay, moi je me suis régalé, c'était parti comme ça, on n'en trouve pas beaucoup et c'est une fois tous les... Quand vous choupez le bon lobby, c'est vraiment un régal. En tout cas, on a bientôt les 44 000 abonnés, ça monte de jour en jour, vraiment énorme, je tiens vraiment à tous vous remercier encore. Je me languis ce putain de bêta de Black Ops 3 là, parce que là, franchement, Advanced Warfare, vous voyez, il y a tellement, je sais plus quoi faire, je vous fais des défis au gun. On va dire que j'ai fait plus ou moins toutes les DNA avec toutes les armes. Et là, ce qui reste un petit peu, c'est le défi au gun et aussi au sniper Lynx. On va dire que maintenant, on cherche un petit peu la difficulté dans le gameplay pour arriver à faire quelque chose. Parce que bon, faire une DNA à la Insanity ou à la Speakeasy ou à la Valve 27, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, DNA obtenue, les gars, vous avez vu ce petit jump en arrière et tout là. Et je vais quand même faire une série de 48 avec l'explosion de la DNA comprise. C'est vraiment un super, super, super gameplay. Vraiment, vraiment hâte. Ce Black Ops 3, putain. Moi, je suis super content. Là, ça fait le veille. J'ai pas fait de vidéo depuis une semaine. Ça me fait plaisir de vous parler. Je vais entamer une énorme semaine de rush. Ça me ferait vraiment plaisir que sur ce gameplay, les gars, vous faites péter un max de likes pour tonton. Ça me motiverait. Je serai au travail. Je vais peut-être vous faire un peu des photos sur Twitter et tout au travail et tout cette semaine. Je serai tout seul dans le magasin. Et pourquoi pas faire un face commentary en direct du travail, je sais pas, je sais pas. Je vais essayer de faire quelque chose de sympathique cette semaine si je galère pas trop, si j'ai le temps un petit peu. Voilà, l'explosion de la DNA, les gars. Je vais essayer de faire quelque chose. Voilà, donc en tout cas, si on arrive à atteindre les 1000 likes, franchement, ça me ferait plaisir. Et je pense que 1000 likes, les gars, sur cette vidéo, pour voir ma fille en face commentary sur encore une autre DNA au gun pour la semaine prochaine, je pense que voilà, ça c'est quand même assez méritant. Je tenais à revenir un petit peu sur le gameplay que j'ai fait sur Black Ops 2 la semaine dernière. J'ai eu 2-3 personnes qui m'ont laissé des commentaires en marquant « Tonton, tu trouves la facilité ?» Les gars, il faut dire un truc, c'est que voilà, sur Black Ops 2, il y en a un qui m'a reproché de jouer avec le PR, l'autre avec le C4. Franchement, c'est un jeu voilà, qui a déjà 2 ans, ou je peux connaître une année, on s'en fout. Quoi. Voilà, on joue, moi j'y vais pour me détendre, faire du gameplay. Donc essayez de ne pas regarder les petits détails, tu joues avec ça et ça et ça. On est là pour prendre du plaisir, regarder une série, une fucking DNA, une KEM, ce que vous voulez, ou même plus de 5 kills sur Black Ops 2. On s'en fout des détails, on est là pour le plaisir, pour le fun. Vous voyez, série de 48 les gars en bas. Voilà, ça mérite un max de likes pour tonton. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça y est, on arrive à la fin. N'hésitez pas à faire un tour sur les vidéos précédentes. Me suivre sur Twitter, ma page Facebook, parce que mon Facebook personnel est plein. Donc c'est page Facebook Tonton Mandidos. Voilà. Sur ce, je vous dis un bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Ciao les gars!